Salut les gens qui se bougent. Cette vidéo s'adresse à deux catégories d'entre vous. La première, c'est si vous voulez vous lancer sur YouTube mais que vous n'osez pas pour tout un tas de raisons. La deuxième, c'est si vous avez déjà une chaîne YouTube et que vous voulez vous améliorer. Et le conseil que j'ai partagé avec vous aujourd'hui, c'est tout simplement d'aller voir les chaînes YouTube de vos YouTubeurs préférés. Alors vous allez me dire, ok super, on fait ça tous les jours Olivier, mais avec un mais, c'est que vous allez aller voir leurs plus anciennes vidéos tout simplement. Et l'astuce est très simple, je vous montre tout de suite sur mon écran comment faire. Donc là on est sur la chaîne de Poisson Fécond, vous allez cliquer sur vidéo tout simplement. Et puis vous voyez qu'ici en fait il y a un critère pour classer les vidéos. Et par défaut YouTube les montre par date de publication inverse, c'est-à-dire qu'ils montrent les plus récentes. Et en cliquant là, vous pouvez tout simplement voir les plus anciennes. Donc là on les voit par ordre chronologique tout simplement et ça fonctionne sur toutes les chaînes. Comme vous pouvez le voir, c'est une astuce ultra simple. Alors tous les youtubeurs n'ont pas gardé leurs anciennes vidéos, mais la plupart l'ont fait. Et c'est souvent extrêmement instructif d'aller voir justement quel était leur niveau avant. Surtout si vous connaissez bien le style de la personne, vous pouvez voir que eh bien, son style s'est pas né comme ça. Qu'il y a eu beaucoup d'essais, d'erreurs, qu'au début, le youtubeur typiquement était beaucoup plus hésitant. Ses blagues tombaient beaucoup plus à plat. Tout était moins bon, l'image, le son, la lumière. Et pourtant, ça n'a pas empêché ce youtubeur de décoller. Et c'est intéressant justement de regarder les vidéos dans leur ordre de parution et puis de voir justement la montée en gamme des compétences de votre youtubeur préféré. Donc si vous avez peur de vous lancer, bah regardez justement ces toutes premières vidéos super mal faites avec un mauvais éclairage, des mauvaises blagues et tout ça. Et dites-vous que vous pouvez sans doute pas faire pire. Et si vous avez déjà une chaîne YouTube, bien analysez comme ça cette progression compétence, voir qu'est-ce qui fait la différence entre les premières vidéos pas terribles et ce qui fait aujourd'hui le succès de ces youtubeurs. Ça va vous donner beaucoup de pistes d'amélioration. Voilà, on va pas faire compliqué aujourd'hui, simple et efficace. Allez voir les anciennes vidéos de vos youtubeurs favoris. Vous pouvez faire ça sur ma chaîne aussi, évidemment. Et puis, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oubliez pas, soyez rebelles, soyez intelligents et faites partie des gens qui se bougent. Ciao !